Bienvenue à vous, l'Allianz Arena de Munich. C'est grand, c'est récent, c'est totalement adapté au football et c'est, selon moi, le plus beau stade aujourd'hui dans le monde. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Oui, salut, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Ok, c'est parti. Lichtsteiner cherche la verticalité. Lewandowski. Ça sent la frappe. C'est une occasion, ça. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué. Shaqiri. Une très longue passe. Aubameyang. Oh, le manque de réussite. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Bon dégagement. C'est bien fait, ça. Il prend sa chance. C'est repoussé. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Bonne interception, il y avait danger. Aubameyang. Shaqiri. Et le ballon qui est remis dans l'axe. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. À quelques minutes de la pause, le score est toujours de 0-0. Inler, Shaqiri, le voilà servi, il tente de la jouer dans l'espace, Aubameyang, Berami, et il jaillit pour prendre ce ballon. Lukas Piszczek. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Ça combine bien là. Attention, occasion! Et le cadre se dérobe largement. Ah, c'est dommage, il avait bien contrôlé le ballon là. Il se roue à l'attaque en ce début de deuxième période. Ils savent que c'est un moment important. Berami, Granit Xhaka,
Lichtsteiner. Berami. Shaqiri. Personne n'a trouvé la faille jusqu'ici et le tableau d'affichage ne bouge pas. 0-0. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Granit Xhaka. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Granit Xhaka. Va-t-il en profiter? Coup franc. Lukasz Piszczek. La Pologne tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Inler. Granit Xhaka. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. Quelle frappe! Dommage, c'était pourtant bien tenté. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Allez, allez, un petit peu d'énergie. Le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Attention, le temps presse maintenant. Oh, le but! Oh là, on va vivre une fin de match de folie! Tout est magnifique dans ce but! Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Il est servi! Attention, la frappe! Aucun danger pour le gardien. Shaqiri. Inler. Stoker. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et la défaite 1-0, la moindre erreur se paie cash, c'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça.